Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo. Je m'appelle Laura Marino, j'ai été championne du monde de plongeon et maintenant je voyage dans mon van à travers le monde pour explorer les plus beaux spots de la planète et sauter dans l'eau. Sur cette chaîne, j'ai envie de vous partager tout ce que je vis, mes aventures et mes galères. Alors, bienvenue dans ma vie. Je viens tout juste de rentrer des îles Fidji où j'ai été invitée par GoPro pour participer au Creator Summit. Le GoPro Creator Summit, c'est un événement qui regroupe 50 des meilleurs créateurs à travers le monde pour découvrir une destination de rêve, aller à la rencontre de la population locale et essayer plein de nouvelles activités. J'ai trop envie de vous partager les dessous de cet événement dont on voit souvent que la vidéo récap sur YouTube. C'est trop le genre de vidéo que je regardais quand j'étais dans ma petite chambre d'athlète de haut niveau à l'INSEP et qui m'inspirait de ouf. Et là, cette fois, j'y participe et j'ai trop envie de vous partager les coulisses. Bienvenue au Fidji! Mais là, je suis de retour dans mon van, mon cocon, ma safe place, que j'ai construit toute seule de mes mains. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo où je vous raconte sa construction, où je fais un van tour. Avant ça, retour au Fidji, parce que dès mon premier jour, j'avais qu'une seule question en tête. Est-ce que je vais réussir à trouver des endroits pour plonger? On est arrivé hier et il est 6h du matin, donc ça explique ma petite voix du matin. Et... En face de ma chambre, je vois des rochers. Moi, j'ai envie de faire quoi ici? De faire du cliff. Sauf qu'il n'y a pas d'endroit. Et du coup, je suis un peu hors de ma zone de confort. Donc je me suis dit, je vais trouver un petit bout de caillou pour plonger. Bon, voilà, au pied des rochers. Et j'ai pied. Bon, l'exploration continue. Pour l'instant, c'est un échec de profondeur. Mais moi, ce que je kiffe dans cette vie, c'est aussi de l'exploration. Et surtout, j'ai vu un petit rocher là, comme s'il était suspendu. No cliff, no problem! Ah! Non, bateau. Je suis à deux doigts de péter le poids, mais. Le truc, c'est qu'en plus de tous ces moments où je cherchais des spots pour plonger, en fait, on avait un programme hyper chargé et hyper millimétré toute la journée où les créateurs étaient dispatchés en petits groupes pour tester différentes activités. Et le soir, après tout ça, on se retrouvait dans la salle d'édit pour regarder un peu tous les rushs qu'on avait filmés, se les montrer entre nous et surtout les sauvegarder. On est dans la editing room, il est 22h30 et demain, on se lève à 4h30. C'est à ce moment-là que GoPro sélectionne les meilleurs clips pour les intégrer dans la vidéo finale du récap. C'était hyper inspirant parce que dans tous ces créateurs, il y avait des surfeurs, des apnéistes, des danseurs, des filmmakers, des pilotes de drones et même des vlogueurs. Bref, on n'a clairement pas arrêté. En 5 jours, j'ai eu l'impression de vivre aussi intensément qu'en 2 mois d'été. J'ai coché tellement de cases sur ma bucket list en si peu de temps. Le truc, c'est que quand tu vis aussi intensément sur 5 petits jours, tu tires forcément sur quelque chose. Et moi, ça a été la fatigue. Déjà, j'ai mis 35 heures pour arriver là-bas et il y avait 11 heures de décalage horaire. Et dès le premier matin, on était au taquet. J'ai dû dormir entre 4 et 5 heures par nuit. Bref, je suis rentrée éclatée. Mais tous les jours, je me levais avec la même envie d'explorer les environs pour trouver un endroit pour sauter. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le relief qui fait la richesse des îles Fidji, mais peut-être plutôt ce qu'il y a au fond de l'eau. Et c'est vrai que quand j'ai mis un masque et que j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai découvert un nouveau monde. Un monde extraordinaire,
précieux et fragile où il y a encore tellement à découvrir. Autant les premiers jours, je me sentais un peu frustrée de pas trouver de spot pour sauter, alors que je voyais tout le monde qui pouvait s'exprimer dans son sport ou dans sa zone de confort. Mais là, dans l'océan, je me sentais enfin bien, à ma place, une GoPro à la main, à explorer les coraux. J'ai pu rencontrer des créateurs et collaborer avec eux, et ça a fait la différence parce que GoPro avait mis en place des awards pour récompenser les meilleurs créateurs de la semaine. On découvrait tous ensemble, le dernier soir sur un écran géant, qui avait gagné les différentes catégories. Mais à un moment, je me vois apparaître sur l'écran, mais c'est le nom Chris Rogers qui est écrit. Donc je mets un petit moment à réaliser, mais en fait, c'est bien un shot qu'on a réalisé tous les deux qui a gagné la meilleure vidéo cinématique. Et en fait, on n'a pas gagné un award, mais deux, puisque peu après, on a aussi gagné la meilleure POV. On est trop contents et on s'y attendait pas du tout. Il y a une trop bonne ambiance, tout le monde est trop content d'être là et on fête les awards avec tous les créateurs. Et à ce moment-là, je me rends compte que je suis pas seulement dans un voyage avec l'entreprise GoPro, mais que je viens de découvrir une nouvelle famille. Ça y est, le GoPro Creator Summit, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais mes aventures au Fidji ne s'arrêtent pas là, puisque je continue sur une autre île pour passer mon paddy open water. Et spoil alert, j'ai trouvé un endroit pour sauter. Si vous voulez être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous.